Bonjour ou bien bonsoir les amis, dépendamment de la regarder des vidéos, c'est amis qui parle qui entre la caillou. Je dis à moi, je viens parler d'une fête que je fais, un jour que je annoncé dimanche passé, je me dit que je dois apporter une vidéo ça pour, et bien, moi je viens parler de l'invité de ça, je dis à nous prenons débat ensemble en fonctionnalité d'invité de ça. Donc, ma tournée à propos ça. Bienvenue sur le channel EP Power, la channel ça pour informer ou informer sur l'électronique, macramé technologie, sur pas quoi abonner les amis, fais ça pour nous pour parler d'une vidéo qui n'a pas plagé. Merci. Merci d'avoir vos patients. Donc, je viens de partager quelques petits bagages ensemble avec vous, qui me pensent que c'est vraiment utile et en même temps tout faire connaissance avec le produit que moi-même personnellement je fabrique. Mais avant maintenant, puis font la vidéo, merci avec chacun qui est abonné avec la chaîne là, parce que sans vous, même la chaîne là, pas vous pouvez côté lié là, je dis. Donc, pour travailler à continuer, il faut continuer à abonner, il faut continuer à inviter les gens à abonner ensemble avec la chaîne là, c'est ça qui fait le travail là, grandir. Et c'est ça qui a fait pour nous encourager pour nous continuer à travailler pour nous porter plus d'informations pour vous sur la chaîne. Je vais tout profiter tout pour dire tout le monde qui parle sur la chaîne. Pour la première fois, je vous dis bienvenue et pas oublier d'abonner parce que dans plus d'informations que je vais apporter pour ce channel là. Donc, abonnez-vous pour ne pas rater une là-dedans et puis songez à petite cloche là tout pour ne pas rater pour que chaque vidéo que je poste pour YouTube vous voyez un message par vous pour voir qu'on est que je poste une vidéo. Et bien, nous allons rater ma vidéo après tout, nous ne pas perdre du temps. Ok, amis, nous avons une vidéo, nous avons passé à l'étape explication. Donc, j'en regarde ça, ça c'est négatif, on connaît ça très bien. Ça c'est négatif, là, qui c'est mon slang. Et puis ça c'est terminal action fin. Ça veut dire là, là où on met le comme ça, bon, fin balle de batterie avant. Ça c'est batterie négatif, là, ça c'est positif, là. Kounya là, n'a pas tourné sous ça. Kounya, terminal action fin. Ça veut dire c'est le système non chauffé fin n'a pas dérapé. Donc le système non chauffé à 45 degrés, le ça fin n'a pas marché pour rafraîchir système inverter pour pas chauffer trop. D'accord. Kounya là, ça c'est batterie 12 volts ou 24 volts parce que boîte là sont batterie universelle ou qu'a fait inverter 12 volts là-dedans ou qu'a fait inverter 24 volts là-dedans. C'est ça qu'il faut remettre boîte là. C'est ça qu'il faut remettre le 24 ou bien 12 volts. Moi-même coché 12 volts parce que inverter c'est 12 volts qu'il y a. Ça veut là encore on mettre wrong en polarité ou et moins MOSFET. Ça veut dire immédiatement ou inverser polarité yo la brûler MOSFET qui est dans inverter. Ça veut dire transistor qui est dans inverter qui pour faire inverter marcher. Si vous inversez, vous mettez positif là, vous mettez négatif là. Donc, transistor brûlé, laisse ça, la commande pour faire réparation. Ok? Kounya là, ça c'est parti pour inverter chargé et puis pour l'output courant qui la produit. Ça c'est input là qui c'est EDH là, qui c'est phase. EDH là qui va entrer là pour charger batterie pour faire inverter fonctionner pour sortir coin EDH là qui là tout et ça c'est net là lui même les commun ni pour output là ni pour input là. Ça veut dire ou cap plugin ni input là ni net input là dedans ni net output là dedans. Ça veut dire qui c'est net sorti net entrée on peut tout dans point ça et puis là on plug phase output phase input. Ça veut dire c'est phase EDH là qui entre là ou entre là et puis ça c'est output qui veut dire sortir depuis on s'en plug fil là et puis il peut aller dans cadre directement là mettre tout bagage et notez bien ça l'est que EDH a passé là l'est que inverter lui même il fait transfert EDH là vient sortir là donc on pas c'est ça qui va rendre que si ça en automatique on pas même besoin venir toucher pour faire un là-dedans donc il m'a fait changement pour contre ça veut dire EDH a entré là même EDH a ressorti là encore et puis inverter a ressorti là tout. Donc net ça le commun pour tous les deux mais EDH a c'est EDH a rentré là inverter a pas sorti là d'accord. Donc nous parlons de devant pour nous garder l'autre information qui vient devant yo. Donc, gens qui nous ont déjà gagné information, c'est information boîte là, oui, pas trop intéressant. Il va la sortir 120 volts. Donc, vous mettez 117 volts sur boîte là, c'est pas ça qui est plus intéressant. C'est peut-être ça me fait et me fait description ça sur deux boîtes là pour me capable bah au plus explication sur ça. D'accord. Là, nous gagnons une prise. Ça c'est prise qui sorti courant tout mais c'est si que ou pas ta gen système là ou pas ta gen système là pour mettre sous cale pour faire installation pour faire automatiquement ou bien même s'il t'a fait automatiquement tout ka toujours bloqué quelque bagarre là pour ka joindre petit courant si que ou pas ta gen place dans cale là pour servir ou ka vinn prendre un petit charge ou bien bloquer quelque bagarre là pour ka servir et ça c'est prise là nous gen un breaker qui c'est breaker output
breaker ça c'est le même qui vous breaker si il veut avoir pour circuit qui vous fait coupe circuit hein? Et breaker ça c'est breaker charge input, breaker ça c'est le même c'est sous lit assez input là parce que si il y a un coup circuit ou bien si système n'a pas surchauffé, c'est ça qui va le déclencher cap monter cap laisser ça ou même absolument qu'un besoin pour reset lit parce que si le depuis breaker a monté la fonctionnalité a tout coupé parce que laisser pas cap produire courant ou bien circulation a pas fait. Donc pour qu'elle remarche qu'on y a normal lit, absolument venir là et vous regardez qui ça t'est passé si c'est quelque fille qui t'est collé quelque côté ou bien quelque barre qui t'est plugé ou pas de plugé ou absolument et puis qu'on y a là on vient après pour ce bloqué pour le calenter pour le calenter fonctionner j'en ai pas fonctionné auparavant ça c'est switch là c'est pour on off ou qu'on est l'aile sous un li off l'aile sous 0 l'aile sous 1 li on l'aile sous 0 li off ça veut dire là il va être ouvert là il va être fermé qu'on y a là n'a passé dans point ça ça c'est assez important qui c'est ligne jaune à bout quoi en l'air et puis inverter qui c'est ligne vert là qui c'est ligne jaune en l'air on dit jaune à bout quoi qui c'est ligne jaune là donc et puis en bas c'est inverter hein? Qui c'est lumière ça qui c'est vert là cap marque lumière là c'est une qui a fonctionné lumière ça c'est lumière chargeur lumière chargeur c'est sous boîte là marqué comme ça mais pour système qui là dans là ça pas seulement pour chargeur donc là que gain m'a viré avec ou non indication ça au connia OK là n'a regardé n'a pas hip power c'est exactement non channel là et bien c'est même non ça tout inverter en poté donc quand channel là c'est pas channel là qui était là avant inverter c'est inverter clé là avant channel là donc moi fait channel là sous même non qui me fait inverter de quoi là que m'a ba information pour toujours lié ensemble avec chaque pour produire capable toujours lié ensemble avec channel là bien que m'ba en pile d'autres informations sur channel là qui différent de ça même pas capable plusieurs non c'est ça que me préfère quitter avec même non business là et puis m'a vendre comme ça d'accord. OK zanmi yo on va marquer inverter et chargeur ça veut dire il gain inverter sous lui et il gain système chargeur sous lui tout donc là nous dans inverter mode zanmi yo n'a pas marquer output en voltage regulated ça veut dire que voltage que il sorti dans prise là devant ou bien dans domino là que m'te montrer nous c'est un voltage qui stable à 120 qui pas varier là qu'il sous mode inverter. Donc ce voltage ça, il stable à 120, il pas monter, il pas descendre, seulement rester à 120. Il est capable descendre sauf que c'est là on mettait charge sous lit, mais c'est pas comme s'il pourrait varier pour la monter à 150 pour la descendre à 80, vous comprenez? Donc il était stable à 120, il pas monter, il pas descendre. D'accord ça mieux. Il est capable de recevoir DC maximum. DC maximum voltage DC input. OK, DC maximum. DC input voltage maximum c'est 11.2 jusqu'à 14.60 volts. Ça veut dire batterie qu'on va pouvoir sur la fois que batterie c'est 12 volts jusqu'à fois que batterie à 11.2 jusqu'à 14.60. Et puis nominal en DC operation, c'est voltage, c'est 12.60 volts DC. OK? Maximum operation en DC input en courant, c'est 140 ampères. Donc en quantité ampérage que vous capable voyer sous lui, c'est 140, OK? Là nominal AC output voltage c'est 120 volts c'est ça que me dit non il pas varier il était à 120 volts OK là nous gain nominal AC output frequency ça veut dire cette fréquence là il à 60 Hz OK maximum continue AC output en courant 10 ampères OK quand nous parler dans mode chargeur là nous fini n'a prend partie en bas pour nous capable fait analyse. Là nous gagnons intelligent battery charging. Ça veut dire la charge batterie intelligemment. Donc là qu'elle finit charger, l'a stopper pour compte lui, c'est pas ou même qui va le camper, c'est pas ou même qui va le faire rien pour lui, sauf que l'a ba au signal l'a dit que il finit charger batterie là ou même pas besoin de connecter parce que le papa il pas qui va chauffer batterie ou qui va le dire que qui peut faire batterie au sèche d'eau rapide et puis qui peut craser batterie rapide. D'accord, Zamin? Là, nous avons un temps à 80 degrés.
Nous avons over temp à 80 degrés et puis action fin lancé à 45 degrés. Ça veut dire immédiatement chauffé à 45 degrés, fin n'a dérapé pour commencer marcher pour rafraîchir le système dans le cas éviter inverter chauffer trop. OK? Nominal operation voltage input de 90 jusqu'à 130 volts en 60 Hz. Donc voltage qu'elle capable recevoir c'est 90 volts jusqu'à 130 volts. Donc quand c'est quoi plus faible que 90 volts là, il pas marcher et puis s'il dépasse 130 volts là tout, il pas marcher. Donc faut qu'il inverter joindre 190 volts là. Intervalle mi-temps, il n'y a pas de problème, mais s'il dépasse ou bien s'il est plus petit, il ne peut pas marcher. D'accord? Et là, nous avons un nominal DC output en voltage, 14.8 volts. Et puis, charge une batterie DC courant en temps nominal output en 120 ampères. Maximum AC input en courant en 12 ampères. Ok, les amis, nous avons arrivé à un point pour nous passer dans LED information. Donc, pour nous passer dans information lumière yo. C'est même lumière ça qui m'a parlé tout à l'heure. Donc nous avons une information plus efficace là parce que devant, comme moi nous déjà, boîte là c'est une boîte au café, n'importe sans inverter qui ouvre la donne. Sauf que au café, inverter sorti 1000 watts ou bien 800 watts, arrive jusqu'à 1500 ou bien 2000 watts la donne, dépendamment des gens qui ou travaillent. C'est ça qui fait des informations sous boîte là qui pas tellement respectée. Donc c'est ça qui fait moi venir reporter information là pour nous, pour que pour nous plus comprendre le fonctionnement là. Nous gagnons un qui c'est pas pour colorer le jaune, parce que qui c'est lumière jaune là, qui c'est lumière jaune qui allait là, c'est assez important en batterie charging. OK. Ça veut dire là les ouais jaune là seulement limé. Donc quand gain courant et puis batterie a chargé et en même temps tout l'a fait transfert pour courant aider à acheter le jaune là pour sortir le baou à la caille là pour limer lumière pour marcher frigidaire ou marcher l'autre bagaille gens que vous voulez marcher là. Là nous gagnons un numéro de 1 qui c'est lumière vert là qui c'est inverting mode. Laisse ça les ouais lumière vert allumé. Laisse ça assez inéteint. Donc laisse ça sous mode inverter, c'est inverter qui a fonctionné par gain EDH, c'est sous mode inverter seulement que c'est inverter qui a fonctionné. Laisse ça inverter absorbe courant dans prise ça ou bien dans domino ADH que m'te montré nous. OK, qu'on a là nous revenons dans troisième là. Le troisième là appelé par intermittence, la clignoté. OK. Laisse ça, ce soit que batterie a décharge ou bien li overload. Pour plus comprendre, ce soit que batterie a déchargé ou bien ou mettez un bail qui trop pour inverter sous inverter. Kounya la, là que nous gagnons un qui c'est jaune là plus rouge là qui c'est un qui c'est lumière jaune là et puis plus rouge là, ça veut dire là assez input en batterie chargée. Une chargée de batterie, ça veut dire toujours gain courant mais batterie a fini charger. Donc ou pas besoin de le connecter là, ça ou capable toujours quitter à fonctionner, mais sauf que les fois qu'on est que batterie a fini charger là ça ou même on connaît que même quantité de temps que capable gain si ou tu as fait analyse temps et puis si appareil ou tu mets sous l'eau tu toujours même appareil là qui sous l'eau. OK, là nous gagnons deux et trois. Donc quand c'est inverter on a une batterie all smalls discharge, ça veut dire bat là il montre que inverter toujours à marcher mais il met lumière rouge là pour montrer que pour le bas on annonce pour le fois qu'on est que batterie après discharge très tôt. OK, et puis là nous gain amperage chargeur contrôle. Là nous gagnons ce petit switch ça qui là. OK, c'est lui même là que si courant par exemple si courant est trop faible, donc on va augmenter amperage là pour capable charger batterie plus rapide. Mais si courant dans normalité là, ça va descendre pour mettre dans niveau normal li, pour batterie à charger pour éviter une problème tout.
Ça fait moi mettre switch ça là dedans c'est parce que il y a des parfois vendre mon dans fait dans zone ça que vendre ou que dans mon invité mon ça gain bon courant et puis dans zone ça vendre mon invité mon ça pas gain bon courant donc moi mettre ça pour qu'à manuel dans quelque sa zone taille pour jeune service sans problème laisse pas besoin relem pour m'a venir faire ajuster pour m'a venir ajuster le pour laisse ça au même capable faire pour contour mais avec précaution donc ça m'a pas ajouté pour comme noter bien là que ou mettez le si courant déjà normal ou mettez ou virer ça autant de le ba un petit grondement qui gonde un petit gens fort qui désagréable parce que les gens sont oxydation après ba un petit son mais immédiatement de la faire les ba un mauvais son donc laisse ça ou faire descendre légèrement et puis immédiatement temps de brouillard que elle a marché normal. Et bien là nous gain when all the LEDs on turn off the inverter is over tempant wait for 30 minutes. Lèke invert lè ke wè tout limye yo eten, lèke ni limye sa yo tout eten et puis limye sa yo eten tout bien entendu m'ap di nou sa yo gen limye an ba yo m'ap vini sou sa talè lèke wè tout limye sa yo eten tout donc lè sa invert a over temp lè sa chauffe trop le surchauffe et lè sa c'est lè sa over temp la parce que c'est lè chauffe à 80 degrés et puis lè sa la tout invert a tout eten pour que et pour éviter invert a continuer chauffe pour pas al tomber en panne pour pas mettre dans dépenser comment sauf que on ti jan dérange vraiment parce que on a quelque chose à faire mais c'est normal parce que si le chauffe trop au lieu de brûler plutôt c'est un petit temps que vous perdez un petit temps que vous perdez dans soit à faire ou à recommencer mais inverter pas en panne pour ça d'accord. Donc ça c'est information personnelle, il pas trop intéressant. Après ça c'est modèle inverter c'est EP 15 ans 12 donc quand c'est les que ouais inverter marqué 15 12 ou bien 10 12 ou bien 25 12 c'est deux devant ou multiplier le passant et puis les bas ou wattage inverter c'est multiplier ça passant là bon 1500 watts 12 volts donc des points inverter comme ça c'est seulement multiplier des chiffres que ouais devant ou bien nombre qui devant passant là bas ou wattage inverter donc le multiplier ça passant les bon moins 1500 watts en 12 qui derrière si c'est 15 si il est à 24 volts pour elle 15 24 si il est à 12 volts pour elle 15 12 si il est à c'est un inverter 1000 watts en 12 volts pour elle 12 pour elle 10 en 12 laisse alors multiplier par 100 là bas au 1000 watts en 12 volts mais si il est à 800 watts pour elle 8 12 laisse ça on va seulement multiplier 8 là par 100 là bas au 800 watts 12 volts ok encore si quelqu'un 25 24 on va multiplier 20 et devant passant là bas ou 2500 watts en 24 volts 25 12 la multiplier devant passant là bas ou 2500 24 volts 30 12 on va multiplier devant passant là bas ou 3000 watts et 12 volts 30 24 on va multiplier devant par 100 on va multiplier devant par 100 là bas ou 3000 watts 24 volts donc ça c'est une petite information en plus pour ceux qui ont acheté quelque chose pas inverter ça va pas acheter c'est un autre inverter donc vous capable tout utiliser information ça si le départ est déjà flou pour vous. Donc là nous avons battery level donc ça mes amis m'a dit non les batteries à 25% laisse ça les presque décharge donc commencez à arranger aussi ces balles donc mettez presque c'est dès le coup pour le passer donc mettez au prêt pour passer parce que les balles décharge ok mais même genre tous les batteries à charger ou après ça allumer on ne met pas et puis elle commence à brancher charge commence à monter on va le monter à 50% même si la téléphone tape charger on va monter à 50% et puis elle monte plus tout après elle monte à 75% l'elle batterie a fini full arriver à 100% après ça les vient les mettre ça d'accord. Mais si pas la fin charge qu'on a c'est charger le fin charge qu'on a l'adéquate qu'on a c'est décharge la décharge et bien on pourrait les batteries à gain charge trois pour tout limer et puis pas à pas que les batteries à descendre on pourrait et ça venir éteindre et puis l'elle arrive à 75% après ça les venir éteindre l'elle arrive à 50% après on pourrait et ça après limer après débarquer limer et puis cool arrive à 25% après tous les trois ça éteindre donc 25% après limer on a les 25% venir éteindre donc laisse aller en bas 25% car 23 car 22 car 20 car 15 mais sauf que on pas pour limer ça encore parce que pas pour m'ta faire pour t'a bon moins tout pourcentage de 1 à 100 donc on était obligé mettre 100
lumière là-dedans, sans LED, nous sommes obligés de mettre là-dedans, les armes sont contrôlées de 1 jusqu'à 100. Donc, c'est ça qu'il faut avoir un intervalle capable de l'éteindre. Et puis, après l'intervalle, ça, ouais, c'est le 25 la fin d'éteindre. Donc, on a un bon bout de temps avant de se décharger à 0 parce qu'il y a un intervalle qui n'est pas ouais. Ok? Ok, amis, si on a regardé l'espace ça, donc quand c'est l'avant, les fins à marcher, les fins à marcher, fins à aller, les chauds en dans l'inverté pour mettre dehors. Donc c'est dans l'espace ça que vent passe, il passe dans l'espace ça tout, des espaces ça, c'est là dans le vent passé pour le capable sortir pour râler chaleur ça comme si il prend vent naturel là il passe le par dedans là et puis à vitesse que fin la virer il passe là dedans là et puis là ça passe tout en dedans appareil là là ça va venir sortir là c'est une raison là que on va acheter ou même dans une vente garder pour est-ce que grillage cage respiratoire ça ou bien cage respiratoire ça est-ce que yo tombé en distance avec en une distance ensemble avec fin parce que s'il tombe là si le grillage ça te tombe là laisse ça il va te donner la boue que chauffer fin n'a pas jamais fait travail qu'il doit faire pour qui ça parce que l'espace ça il emprunte ça espace ça qui bouché là il emprunte ça la bouché donc quand il a si le que fin n'a pas allé là déjà le côte à côte ensemble avec fin là et puis si le fin n'a pas allé là il est seulement passé dans limite ça il passe dans limite ça seulement il pas arrivé dans espace devant donc vous gain pour devoir regarder si ouais, grillage a tombé juste devant et puis vous faites une trajectoire pour le suivre. Donc pour avant qu'elle arrive pour râler toutes les choses qu'elle a râler au mettre dehors. Donc même si nous tout, j'aime toujours dire dans l'autre vidéo, évitez d'installer une vente dans la cuisine parce que les qui ont installé dans la cuisine, laisse la graisse qu'on vient plein fenna ou bien au cas où elle a ou quand elle a chargé avec graisse tout donc il va le faire fin n'a pas qu'à faire travail la jambe doit faire là parce que immédiatement l'amio élicio yo graissé yo bien yo plein graisse là dedans yo commencé boucher donc ni pas qu'à bailler vent jambe doit bailler donc c'est une raison que je toujours conseiller nous pas mettre au dans cuisine pour que yo pas aller graisse comme ça tout se mettre l'un côté mettre l'autre côté grand intervalle pour que il ca respirer normal parce que même j'en même respirer il va être amadé pour respirer tout depuis électricité gain chauffage c'est ça que fait. Il est toujours important pour mettre fin dans l'appareil là pour que l'air chauffe pour faire ça déraper pour rafraîchir le système là et bien même j'ai tout supposé mettre dans espace pour que lui-même soit capable de joindre pour capable joindre l'air pour respirer tout parce que s'il va joindre l'air même si fin a marché fin n'a pas gain assez performance pour lui aller les choix mettre dehors parce que pour aller les choix mettre dehors s'il les frais il prend là pendant la fait passage là dans tout passer avec les choix mettre dehors et puis pas à pas la fesse, pas à pas la fesse, ça, une vétère à venir commencer. Température, une vétère à venir commencer à baisser. Ok? Mais pour nous, si toutefois, la fenêtre à venir bloquer, il n'y a pas qu'à marcher, c'est là, il peut passer en mode overtemp là, à 80 degrés. Ça, quand il veut la marcher, il ne faut pas qu'il y ait la marcher. Donc, depuis le chauffeur, il faut déraper après, ça fait le recamper. Et même si nous, depuis si ça nous chauffe à 45 degrés, il faut déraper. Quand le système vient descendre, il vient moins que 45 degrés, il faut recamper encore. Donc, la partie par intermittence, selon demande inverter selon ça qui a marché sur inverter selon Jean inverter a chauffé c'est dans façon ça inverter a fin à déraper donc on y a la si fin ta vienne bloqué quelque part ou bien ta gagne quelque bail qui entre dans fin qui bloqué ou bien graisse ta bloqué fin n'a pas qu'à marcher ou bien quelque problème li gagne ou bien fin ta brûlé quel que soit fin ta brûlé li vienne pas qu'à marcher qu'on y a là. Donc quand c'est là ça les fenêtres bloquées c'est là ça il peut passer en mode overtemp qui c'est mode surchauffage les ça surchauffer trop et bien c'est là ça fenêtre lui-même il bloqué et mais c'est qu'on va passer en mode overtemp pour que il bloque le système là pour dire ou pas qu'à fonctionner plus parce que on est en mode chauffer trop donc font y poser et puis après on va redéraper après 30 minutes ça va dépendre de à degré chaleur te gain temps rivé là. OK. Après 30 minutes au moins, la pré-déraper, ou pas besoin que tout le monde soit toute lumière éteinte. Après 30 minutes, la pré-déraper convenablement. Quel autre inverteur qui a le même système ça ou tout? Il y a un pilote qui a le même système ça ou. Donc, on croit que les gens qui habitué avec lui, c'est ça que vous pouvez le et commander d'autres tout. Là, que vous avez un appareil là qui en panne, toujours garder sous le lit, sous pas où il y a un overtemp. Si vous avez un overtemp, seulement quitter le prend temps d'abord et puis après l'elfine prend temps l'elfine prend petit temps après ça essayer de reconnecter le bouet mais c'est si que l'homme dit ça c'est si où elle était l'étape marché il était
li rete pa aucun effet qui fait sur lui et puis on relé ou elle était bien simple seulement fait ça donc laisse ça quitter le point un petit temps pour la marcher et puis après ou capable reploguer encore pour s'il pas marché avant que vous déplacez ensemble avec lui et puis tout le monde va venir ranger une vette yo une vette là qu'on coupe circuit et puis il fait coupe circuit laisse ça breaker à monter mon n'a pas même tenir compte de ça ça lui ou manque information ou pas garder breaker à pour si breaker à monter ou seulement déplacer ou al caillon boss moi même personnellement les clients une côté mon n'a venir moi une vette à tester moi le bagage. Moi je dis que le bagage soit que me faut payer comme test là si vous avez volonté mais gagne monde qui par contre veut payer le tout mais moi je dis que le bagage rien et bien parfois ça qu'arrive c'est pas gagne il y a pas de gagne vraiment mais pendant on va venir avec soit dans route ou réparer là sans que ou pas connaît si ou réparer donc c'est ça qui fait il est toujours important pour gagne information ça yo il est toujours bon tout pour connaître comment appareil fonctionner qui ça que qui a passé dans appareil là. OK, c'est ça que moi même mon channel ça porter toute information pour me pas quitter à aucun doute pour me pas quitter à rien qui caché moi porter information parce que si ça si breaker a monté ou pas tenir compte de ça ou que droit à seulement déplacer avec une vetta et puis pendant porter dans route dans fautement la faute la faute sous corps ou bien va lever la faute sous corps ça rentre ou pas même tenir compte de ça quand elle venir ensemble avec lui moi seulement dire ah il n'y a pas gagné non qu'on tombe bataille de problème qui ça fait le bagage et bien c'est raison ça qui capable faire il veut dire pas de gain vraiment mais pourvu que ou manque information bon pas de gain information ça li obligé déplacer avec lui vinn côté ou bien vinn côté on va ça m'a pas m'a tout dit OK ou capable suivre sur Facebook sur même dans Hipower ou capable suivre tout sur Instagram sur même dans Hipower et puis chaîne YouTube là sur regarder vidéo ou capable suivre moi ou capable continuer suivre moi bam love là mes amis aidez-moi partager channel là donc c'est tout ça que m'était porté pour nous la vidéo ça m'a pas venu dimanche en 6h avec une autre vidéo pour nous cap plus belle donc moi j'espère que vous abonnez ensemble avec channel là ou partager vidéo ça pour si vous avez un ami qui besoin acheter un inverteur peut-être capable faire vendre ou bien ou capable bailler un ami une vidéo ça pour qu'il prend quelques informations qui sont compatibles avec ça qu'il peut acheter à comme ça nous même cap acheter moi connais que nous pas gain corbe donc nous même cap acheter nous capable faire un plus bon choix c'est pour ça que me créer channel là non seulement pour me faire produit pas mieux visible et puis pour me porter quelques informations pour tout parce que même pendant ma bail pour produit pas mieux ou avoir jeune qui intéressé autour ou avoir jeune qui information qui est utile ou tout parce que tout ça qui n'a pas parlé c'est bagaille gain là-dedans qui général même les gains qui d'une manière spéciale mais gain qui général donc on pas venir seulement pour inverter ça donc c'est ça que fait. Ou bien pour le voir, partagez le bas yon zami ou et like en commenter. Invitez yon zami ou yon famille ou vin abonner ensemble avec channel la parce que nous la pour nous porter information pour les gens qui m'ont toujours dit channel ça, m'kwa c'est celle channel YouTube web jeune comme haïtien qui a ba ou information ça ou. Donc si vous cherchez ou jeune l'autre information même gens, m'babdou abonner. Mais si vous pas jeune, vous mettez abonner avec channel là parce que m'a porter information pour vous. N'ap vin montrer ou tout comment appareil fonctionne. Donc, je pense que cette vidéo arrive dans la fin là, ou bien pour devoir aider me faire travailler là parce que même j'aimerais m'a chercher pour ou même tout aider me parce que moi même seulement pas faire travailler là parce que gien de l'air n'ai pas partager dans 10 groupes mais m'pas gien temps pour partager parce que moi même pas continuer travailler pour et bien ou même dans placement pas bon petit temps libre mais pas regarder vidéo ni font clic ça va coûter en pile temps ni seulement partager pour pas même coûter un mégabyte même donc en juste font petit clic partager moi sur Facebook sur WhatsApp en bas mes amis partager partout partager aider me gérer channel là parce que tout en grandissant travail ou cap fait tant c'est travail famille ou c'est travail zami ou pas oublier partager pas oublier abonner et puis n'a croiser encore dans l'autre vidéo dimanche si vous avez et pas oublier tout mercredi si vous avez n'a gagné une vidéo sur comment capable créer une chaîne YouTube même j'aimerais même son youtubeur hein. M'a venir partager quelques petits bagages que utiliser pour me faire channel moi grandir ensemble avec vous et puis ou même tout qui t'a même gagné une chaîne YouTube hein. Abonnez-vous parce que mercredi 19 n'a venir partager vidéo comment capable créer et montrer quelques guides quelques conseils tout comment capable gérer chaîne YouTube pour que yo pas avoir sanction parce que là qui va mal fonctionner avec lui ou capable prendre sanction tout. OK, donc m'a quitter là m'a dit tout pas oublier vendredi 19 n'a gagne une vidéo sur macramé. Donc mettez au prêt parce que channel ça apporte information pour n'a former on a bonne information. Et puis bon, si vous avez regardé tout,
ouais mettre toutes les lettres, c'est lettres que écrit déjà. Donc en vidéo vendredi, vous capable écrire non, vous capable écrire non en macramé, OK? Ou seulement écrire non, tout ça c'est vidéo que me fait. Gain vidéo ça disponible sur channel là, ca regarder li, OK? Mais plume ça encore, son plume il power. Donc ou ka regarder vidéo ça sur channel là déjà, pèse sous il a qui c'est information ou bien la fin vidéo ou bien aller dans playlist là, ou bien toute vidéo ça. Donc mes amis, consommez vidéo. C'est comme si c'était manger me porter pour nous manger ensemble avec moi. N'a tout encore, passez bonne journée, que bon Dieu protège vous. N'a pas une autre fois. Moi en pile.